استعرضت شركة ILD أوتوموتيف لكراء السيارات قوتها بالأرقام خلال ندوة صحفية، وهذا بحضور الصحافة المتخصصة بدعوة من السيد غيفي فاتخيس المدير العام للشركة، حيث قدم أرقام نشاط الشركة خلال سنة 2015. On voit que la croissance se poursuit, bien qu'on soit majoritairement dans des pays très matures sur la location longue durée, sur le financement de flotte automobile, et bien on voit que la croissance continue, puisqu'on est maintenant à plus de 1 200 000 véhicules, avec principalement en Europe de l'Ouest, où on approche le million de véhicules rien que sur les pays d'Europe de l'Ouest. Et avec une année 2015 close avec 3 097 véhicules, soit une croissance du parc de plus de 12%, la société confirme sa place de leader de la location longue durée. De notre côté, l'Algérie, eh bien maintenant nous avons fini l'année à 3 097 véhicules, chiffre tout à fait satisfaisant eu égard à l'année particulièrement tourmentée dans le monde automobile en Algérie. نتائج جد إيجابية في ظل التذبذبات التي يعرفها سوق السيارات. Avec l'indisponibilité des voitures, la société a dû recourir à la constitution d'un stock au printemps pour pouvoir proposer des solutions aux clients. On a remis un petit peu en question ces taux de croissance eu égard à la situation du monde automobile avec l'apparition du cahier des charges et un petit peu le blocage des importations. On se demandait un petit peu comment ça allait se passer. Heureusement, on a pris un petit peu nos devants en stockant des véhicules, ce qui est tout à fait inhabituel pour nous, puisque nous, comme vous le savez, il y a une commande d'un client, on passe la commande d'un véhicule. On n'achète pas de véhicule sans avoir de commande de client en location longue durée derrière. الشركة لم تخفي أيضا الخسائر التي تتكبدها من جراء الحوادث المتكررة والمقدرة ب 100%. Et malheureusement, encore un chiffre lourd cette année en termes de sinistralité, puisqu'on est autour de 100% de sinistralité, c'est-à-dire un véhicule égale un sinistre dans l'année. C'est encore excessif, c'est encore beaucoup trop. On travaille pour diminuer ce taux avec nos clients, mais c'est problématique. Et pour les objectifs 2016, Patrice Réveil prévoit une croissance de 13%. Notre ambition 2016 est bien toujours à les développer autour de nos quatre valeurs, les valeurs du groupe ALD, qui sont l'engagement, la responsabilité, l'esprit d'équipe et l'innovation. Donc ce que nous ambitionnons pour cette année, eh bien, c'est de passer à 3500 véhicules à la route à la fin de l'année, donc une croissance d'un peu plus de 13%. Ça veut dire qu'il va falloir livrer donc 1123 véhicules, c'est-à-dire qu'il va falloir les trouver déjà. كما أدخلت شركة ILD أوتوموتيف خدمة الكراء المتوسط المدة location moyenne durée pour une période allant de 1 à 18 mois. Un peu de sport mécanique avec Nourdine Begah اللي تنقل إلى مدينة حاسم سعود ودرنا هاد le reportage. الرالي الرابع للواحات بحاسم سعود، المدينة التاريخية التي تعد من أهم المناطق في الجزائر من حيث الثروات الطبيعية التي تمتاز بها والمتمثلة في البترول والغاز، وهي تعتبر رأس مال الجزائر. هذه التظاهرة التي تنظم من طرف النادي الرياضي للهواة الواحات للراليات، ومنذ 4 سنوات أصبحت موعد سنوي يستهوي عشاق السرعة والرياضات الميكانيكية، لا سيما وأن المنطقة تحتضن مسالك وطرقات وعرة وكثبان رملية تتلائم وهذا النوع من المنافسات. ابتداء المرحلة التقنية اللي هي كنترول السيارات العجلات والحديد تأمين وكل ما يستلزم من تأمين السيارات في المضمار تكون مرحلة أولية اليوم
فيه مرحلة ثانية غدا إن شاء الله متسابقين الشمال، لحد الآن لم يلتحقوا بالمقر النادي. التقنيين على يد وساق في المرحلة التقنية في تقسيم الأرقام وأوامر الأمين التقني. فيه اليوم كذلك مرحلة لتحديد سيارات متابعة للرالي، هي فيها سي بي، فيها سيارات الإسعاف، فيها المرافقين، سيارات المرافقين للرالي من ناحية تأمين الرالي كأكمله، فيه إعطاء تعليمات مسافة الرالي. مرحبا بكم، عدنا في حاسي مسعود ولاية ورقلة. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في اليوم الثاني للمراقبة الإدارية والتقنية. الحمد لله كل الأمور راها ماشية كما تم التخطيط لها، والحمد لله المشاركة كانت قوية. اليوم زادوا التحقوا عدد كثير، يعني عدد معتبر من المشاركين من مختلف ولايات الوطن. Cette compétition s'est déroulée en deux étapes, après avoir passé au contrôle technique, ensuite au prologue. فوالا سي لا كاتريام ايديسيون تاع رالي الواحد في مدينه حسين مسعود. اليوم كاين المراقبه التقنيه تاع السيارات، ماشي دوره، وفيها بعد الدورات التاهيليه قبل لا بريمير ايطاب اللي تكون بعد الغد ان شاء الله. مازال ما وصلوش كاع لي بارتيسيبون معنا، هنا واحد زوج مشاركين مالفين يبارتيسيبيو في كاع لي رالي وياخذوا دي بلاص في البوديوم. هاي نشوفوهم. مساء الخير عليكم. واش راكم؟ صافا؟ لاباس؟ لا فوا باسي في رالي تشالنج صحاري هي اللي كانت بيلوت. هاد المرة كيف كيف؟ اللي تي كو بيلوت. كو بيلوت، داكور. وخديتو المرتبة الثانية. بيلوت، ما عرفت نشارك ثاني بيلوت في رالي رباعي الدفع. مي فيمينا. فدرت شاركت ديجا رالي تونيزي. ودوك هاد المرة راني نشارك مع الزوج تاعي كوم كو بيلوت. درنا ديجا تشالنج صحاري. كلاسينا المرتبة الثانية. وهاد المرة جينا رالي تاع الواحد تاع حسين سعود باش نشاركو. كاين صديق جو معنا من ليبيا ان شاء الله، ومازال ما لحقوش كامل لي زيكيباج، وان شاء الله نتحصلوا على كاش مرتبه ان شاء الله مع الاوائل. دونك vous êtes prêt pour la compétition? On est prêt pour la compétition, c'est notre 4e participation à cet enduro des sables. On a fait déjà une 2e place. C'était au 3e. On a fait une 2e place en catégorie diesel, comme pour le rallye Sahari. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui ne sont pas professionnelles, mais c'est des amateurs, mais qui sont bons. S'ils arrivent à trouver les moyens et les financements pour être à la norme, je pense qu'ils pourraient faire beaucoup de choses. Vous comptez faire un bon résultat, Inch'Allah? Normalement, je ne déplace pas pour rien. Vous êtes au contrôle technique ou la mazal? Oui, on est passé au contrôle technique. On a le contrôle technique. C'est-à-dire, ils ont exigé des arceaux, les sièges, les harnais, le GPS. Alors, tout ça, c'est obligatoire qu'on ait fait le bâillet de l'œuf. Bach, hakda, on ne sait jamais, on va faire le prologue, bach, on va faire la grille de départ. ان شاء الله اسك نقلعوا مع الاولين ولا مع الاخرين باش يغا اون كونكورونس على لا بروميير بلاس باش يقلع الاولين ان شاء الله. كيفون هادو كاع ما عندكم؟ عندنا كلش، عندنا ميم لي بلاك دي سابلاج، اون ا تو كلش. على بالنا بلي مال في جيبي معك سيشوار هاد المره جبتيه. نجيبو انا كل رالي. هذا الرالي رغم أنه جهوي إلا أن حسن التنظيم والمشاركة المعتبرة من مختلف أقطاب الوطن وحتى الأجانب أضفى عليه صبغة دولية. نروح نشوفوا الوفد الليبي
ضيوفنا في الجزائر. السلام عليكم، واش راكم؟ الحمد لله بس. مرحبا بكم. وبيك ان شاء الله. واش واجدين السباق ان شاء الله؟ والله ان شاء الله. شحال عندكم من متسابق وجد؟ عندنا متسابق واحد ومتكلين عليه زعما. والله نقول ان شاء الله ان شاء الله. اهم شيء المشاركه. شاركتوا ديجا ولا اول مشاركه؟ اول مشاركه مشاركين في الرالي الجزائر الدوري شهر 11 اللي فات. كيفاش كانت التجربه؟ مليحه والله باهي الحمد لله ماشي. وهذه المره ان شاء الله؟ ان شاء الله. والله نقول ان شاء الله اللي تو نقول ان شاء الله. لا الجو الحمد لله والله ما ترحيب هيك بالناس وما فيش مثلا مضايقات شيء. لا ما تلقى كان اللي يرحب بك. خطوه اولى تنظيمهم لا الحمد لله. ايه لا تو كويس تنظيم تو كويس. الكشف وكل شيء سيرات والمعامله والاستقبال كلها 100%. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك. مرحبا بكم مره اخرى. ان شاء الله. السلام عليكم. صافا لاباس. واش راك خويا علي؟ الحمد لله لاباس. لاباس. واجد ان شاء الله. واجد قالوا لنا دير كاع لي زيطاف انت تدخل فيهم الاول ان شاء الله. هذا ان شاء الله في الميدان. ها تزوخ انت عجبين نزوخي. ها زعما صحت راسي الاول ان شاء الله على ربي. شاركت في طبعه التاريخ. شاركت في راسي فرنسيتو غير السابع ولا الثامن. كيفاش يكون الاول هذا؟ ها ان شاء الله درك بليسانس ان شاء الله الاول. ها بدلت السياره؟ ايه بدلت السياره. معول ان شاء الله. Les catégories de véhicules qui participent au rallye sont comme il se suit. Voiture 4x4 essence, 4x4 diesel, moto 250 et 450 cm3, quad et enfin la catégorie open. La première étape a connu une forte concurrence. Les pilotes les plus expérimentés ont su gérer leur course, en marquant les 4 CP de l'itinéraire tracé et en évitant toutes les pénalités. سوء الحظ وقع حادث خطير للمتسابق الليبي مع اقترابه إلى نقطة الوصول، حيث كاد ينهي المرحلة الأولى في المركز الثاني قبل أن يسيء التعامل مع إحدى العقبات مما أدى لانقلاب السيارة، خطوة تحسب لهذا النادي اللي ساهم في تطوير هذه الرياضة التي تستقطب العديد من العشاق. وجينا نشاركوا في هذا الرالي اللي فات ما شاء الله الله يبارك. السيارة تاعي من نوع ميتسوبيشي والمرحلة كانت وعرة، يعني كان فيها رمال وكان فيها حجر وكانت مي فوتناها مليح على باس. والحد الآن تنظيم جيد الله يبارك ما شاء الله والأمور تسير بيان صافي بليزير. بالنسبة للي فيناليتي ما عندناش فيناليتي، ونا بيان سويفي لي بوان تاعنا، مشينا يعني بالشي اللي قاولنا عليه والحمد لله إلى هاد الساعة هذه الحمد لله. والحمد لله بفضل المجهودات نتاع اعضاء النادي والناس اللي راه واقفه الحمد لله كلش راه ماشي كما خططوا له. اسماء الفائزين كانوا كالتالي: صنف المازوت لسيارات رباعيه الدفع بوسعيد رابح وبوسعيد عبد الباسط في المرتبه الاولى، المرتبه الثانيه معامير طاهر ومعامير وليد، المركز الثالث عادل جايب عبد المجيد والسيده جايب صبرين صنف البنزين، المرتبه الاولى عادت لبن منصور حسين وبن منصور لطفي، مؤمن مسعود ودويم العايش في المركز الثاني، بن يونس الهاشمي وشريرات عبد القادر تحصل على المرتبة الثالثة. Les premières places des catégories 250 et 450 cm3 ont été décrochées respectivement par Sirat Mohamed et Mohamdi Sidali. La tête du podium dans la catégorie Open est revenue à Sahlaoui Ali. We'll be right back.
100% mécanique. On va découvrir les contraintes du filtre à particules et pourquoi il faut le supprimer ici en Algérie. Et tout ça dans les ateliers de T-Performance. On se trouve maintenant dans l'un des garages de TE Performance. Le garage est متخصص في le tuning électronique des automobiles. Ou bien sûr, le sujet est 100% mécanique, ce sera le AdBlue et aussi le filtre à particules. TE Performance, c'est le nom de notre garage. C'est un garage qui est spécialisé dans tout ce qui est électronique automobile et spécialement tout ce qui est tuning électronique automobile, ce qu'on appelle le chip tuning. Ça concerne exactement la réparation des moteurs diesel, l'injection électronique uniquement à partir des calculateurs moteurs, le sport automobile, la reprogrammation des moteurs, la correction ou optimisation des moteurs. On a commencé en 2008, on a commencé à Tlemcen, d'accord. Donc on était au début un petit bureau où on a commencé des solutions. Après on s'est installé à Boumerdès, puis on a fait un garage, on a mis un garage à Oran. C'est un client, une Mercedes. La classe C, la nouvelle technologie de la classe C, c'est une C300, qui a la technologie Bluetech. Automatiquement, Dorkatik a un problème avec le système AdBlue, Jabhanna. Nous avons un diagnostic général. Nous avons exactement le problème que nous avons fait. Puis, on va passer à l'étape de la reprogrammation ou bien la rectification en général. Voilà. On a le matériel de diagnostic. Nous avons directement le problème qui se pose. On a sélectionné le véhicule. C'est un véhicule C300 hybride, avec de la technologie Bluetech. Il marche avec l'azote ou il marche en même temps avec l'électricité. Alors automatiquement, on sélectionne pour nous entrer, on voit l'anomalie qui est faite. Je vais mettre le contact et je vais suivre les instructions qui ont donné le scanner. Il y a les calculateurs qui sont dans le véhicule. Ça veut dire, si on peut dire, c'est les cerveaux qui sont là. Je vais détecter l'anomalie. On trouve le problème après. Dans l'émission de toute option, on va vous expliquer c'est quoi l'AdBlue ou le système SCR ou le filtre à particules. Les véhicules que nous recevons à cet instant, on reçoit beaucoup de clients qui ont des anomalies avec les véhicules avec le système Euro 5, Euro 6. Généralement, c'est à cause du gasoil. Donc, en gasoil Euro 5, Euro 6, qui a moins de soufre, c'est-à-dire le kibrit. Le dosage de kibrit a moins. Donc, les véhicules en Bluetech ou en système SCR, ils nécessitent du gasoil qui a moins de dosage t'as le kibrit, le soufre. Hein, voilà. Donc par contre, en Algérie, on n'a pas de choix, t'as le gasoil. Après la détection, on a les calculateurs disponibles dans le véhicule. Alors, on a une anomalie dans le calculateur d'injection. Alors, automatiquement, on va sélectionner le calculateur d'injection. Je vous fais l'anomalie, c'est quoi exactement? Le calculateur d'injection, le calculateur d'injection, a les données et les caractéristiques techniques du le calculateur. Ça veut dire la référence du le calculateur exact, a la technologie utilisée dans le véhicule. Donc, nous avons l'étape où nous chauffons le code des défauts, exactement c'est quoi. Nous
d'après la détection de code de défaut, عطانا لو بروبليم اللي افيشي لو بروبليم دو نوكس هنايا واش قالنا كونكو عندنا لو كابتور نوكس اللي ديفايون لو بروبليم سي با لو كابتور لوي ميم سو دير دون لونسامبل دو سيستيم اي يا لو بروبليم دو دوزاج هذا هو لو غران بروبليم اللي صرا في لو بلوتيك. Donc TE Performance elle propose une correction du système SCR ou là le système qui maintenant regarde c'est mon bras le système AD Blue qui est un véhicule je dis le client marche 1000 ou 2000 km 3000 km et j'ai le témoin inter le check engine avec Charles. Donc lorsqu'on passe au diag on croit un défaut c'est toujours anomalie système SCR ou la anomalie capteur NOx ou la un tel de caractère voilà. C'est la deuxième étape. On passe à la reprogrammation, le côté de programmation. Bien sûr, c'est un autre outil. Mais c'est la diagnostic, l'outil de diagnostic Wahdo ou l'outil de programmation Wahdo. Sélectionnez la marque de concessionnaire, bien sûr, Mercedes. On a maintenant les données, les canines, toute la gamme de Mercedes. Le programmateur a terminé la lecture, bien sûr. Demandez-lui de couper le contact. OK. Donc, on va sauvegarder le fichier Likain. Le programmateur Tana, il traite le fichier. On essaie de corriger. Si c'est possible de corriger, on corrige. Si ce n'est pas possible, on essaie d'éliminer le système AD. Parce que le client en a. Allez, je refais le système à déblou parce que il y a le tableau de bord avec qui a un afficheur d'autonomie. Par exemple, qui connaît le plein à la déblou, au début, il y a une autonomie maintenant 10 000 km. Donc là, il y a un véhicule de terre, mais il y a un check engine. Il connaît un capteur défaillant, mais l'autonomie a dit que elle n'est pas conforme. Ça dépend. Il marque 10 000 km, alors que quand tu marches maintenant 100 km, il affiche que c'est-à-dire il affiche que moins de distance. L'autonomie est correcte. Pour expliquer le système de fonctionnement, tu as l'AD Blue ou le filtre à particules. Donc, avant, quand il y a un véhicule, juste un catalyseur. Il change la composition chimique, tu as les gaz NOx, NOx, l'oxyde d'azote. Donc, l'AD Blue, tu as la sortie, tu as le collecteur d'échappement, tu as un capteur NOx. Où il reconnaît les NOx, l'émission de les NOx le moteur. Donc, avec le capteur NOx, il est relié à un calculateur d'injection. Le calculateur d'injection, il envoie l'ordre à un injecteur, qui est un injecteur tel, et l'échappement. Juste où le capteur NOx avec, où il est ordonné à partir du calculateur. Les calculateurs, toujours, ils sont reliés à un calculateur moteur. Donc, où il donne l'ordre pour l'injecteur. L'injecteur avec, il est relié à un réservoir, à la déplo, avec le réservoir. Généralement, il faut 10 litres, 15 litres, 20 litres au maximum. Des véhicules légers, parce que ça existe des camions, c'est plus volumineux les véhicules légers. On a deux cas. Dans les deux cas, le système SCR il est composé de deux systèmes. Donc le système SCR en début, donc la sortie d'échappement, le collecteur d'échappement directement, on a un catalyseur. En début, c'est juste ce qu'on appelle le combo. Le combo, c'est le catalyseur en début, c'est le catalyseur qui a le système AD, qui a le système SCR. Juste après, il y a le système de filtre à particules. Donc, là, si on élimine juste le côté électronique, juste pour ne pas avoir des arrêts inattendus dans le véhicule, on désactive le système AD Blue. Donc, le système AD Blue, il ne va pas fonctionner. Donc, il va s'arrêter de fonctionner. Ou on est dans un système très propre. Donc, il n'y a aucun risque sur le moteur. Voilà. Mais le système de filtre à particules, il va rester à fonctionner normalement. Voilà. Donc, l'AD Blue ne fonctionne pas. Le système de filtre à particules, il va fonctionner correctement. Sauf
c'est après certains kilométrages, le filtre à particules va se colmater parce que même le filtre à particules, on n'a pas les normes de terrain pour l'Algérie. Parce que toujours, on a le gasoil qui n'est pas destiné pour des véhicules Euro 5, Euro 6. Juju, le côté de reprogrammation, on a le monsieur qui démarre, il y a le fichier où il détecte les anomalies. Apparemment, rah le code de défaut, le message le kayen fi le véhicule, elle est disparue, le véhicule elle est réparé. Magnifique ville de Boumerdès touristique, on vous annonce la fin de Toute Option. Restez fidèles au programme de Nahar TV ainsi qu'à votre émission Toute Option, les rah taoudkom ka kol osbou' moufajaat ktira.